Fermeture temporaire du bloc des urgences du CHU de Cocody pour des travaux à compter du 1er mai. C'est l'une des décisions prises hier en Conseil des ministres. L'hémophilie, maladie du sang inconnue mais très invalidante, est bien présente en Côte d'Ivoire. Quels sont les principaux signes de l'hémophilie? Élément de réponse dans quelques instants. Les Algériens votent depuis ce matin pour élire leur président. 6 candidats en lice, le sortant Abdelaziz Bouteflika a voté en fauteuil roulant. Bienvenue à tous. Les urgences du centre hospitalier et universitaire CHU de Cocody seront fermées pour 3 mois à compter du 1er mai prochain pour des travaux de réhabilitation. Décision prise hier en Conseil des ministres. La synthèse de cette réunion avec Jérôme Kofi Aboulin. Une ambiance qui n'a guère surpris depuis l'esplanade du palais présidentiel avec l'arrivée des membres du gouvernement à l'appel du Conseil des ministres ce mercredi 16 avril 2014. En dépit du temps inhabituel, un début de soirée encore ensoleillé, tous les ministres sont venus à ce rendez-vous à un rythme à leur convenance, avec la même détermination et le même plaisir de se retrouver avec le président de la République, Alassane Ouattara, pour plancher sur des dossiers en vue de la marche de l'État. Les travaux débutés aux environs de 16h40 ont pris fin 2 heures après. Par la suite, les échanges entre le porte-parole du gouvernement et les journalistes présents ont permis de noter au nombre des grandes décisions prises, celles portant fermeture temporaire pour une période de 3 mois des services d'urgence du CHU de Cocody pour des travaux de réfection. Toutefois, il n'y a pas lieu de s'alarmer outre mesure. Des réaménagements seront faits pour continuer de recevoir des patients pendant cette période. La semaine dernière, nous avions évoqué la fermeture temporaire des urgences du CHU de Cocody pour permettre des travaux de réfection. Donc cette décision est formellement prise. Elle est applicable à partir du 1er mai 2014 pour une période de 3 mois. Mais dans l'intervalle, un certain nombre de réaménagements sont faits et qu'il est important de porter à la connaissance de nos populations. Il s'agit notamment du réaménagement d'un local dans le bâtiment principal du CHU de Cocody, qui permettra la délocalisation du service des urgences de médecine. Il s'agit du réaménagement d'un local dans le bâtiment principal du CHU de Cocody pour la délocalisation des services des urgences de pédiatrie, de la réouverture immédiate des urgences de chirurgie du CHU de Trècheville avec 2 blocs opératoires, de la réouverture immédiate du bloc des urgences gynécologiques et obstétricales du CHU de Yopougon, la remise en fonctionnement immédiate des 2 blocs opératoires de l'hôpital général de Yopougon-Attier, la contribution de l'hôpital militaire d'Abidjan, HMA, à la prise en charge des urgences chirurgicales dans les conditions d'admissibilité des hôpitaux publics. Et il s'agit enfin du renforcement de la capacité de prise en charge de cas dans plusieurs établissements périphériques, notamment ceux d'Abobo Nord, Abobo Sud, l'hôpital général de Bengerville et la formation sanitaire du plateau. Et pour évoquer la bonne ambiance qui a prévalu au cours de cette rencontre, il faut attendre 2 semaines pour la revivre. Le conseil prenant congé a donné rendez-vous le 30 avril prochain. Le CHU de Cocody, objet de toutes les attentions, ce mercredi, l'ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire a fait don de 2 moniteurs au service de pédiatrie. Valeur du don, environ 7 millions de francs CFA. Déborah Olapadé, Serge Collet. Couchés sur la paillasse, ces nouveau-nés sont dans l'attente d'une place dans un incubateur ou une couveuse pour bénéficier de soins. Ils subissent ainsi de plein fouet dès leur naissance le manque de place dans les salles de néonatologie et l'insuffisance d'équipement au CHU de Cocody. Nous avons d'énormes problèmes parce qu'il y a peu de place pour les enfants, les nouveau-nés, dans les 3 CHU. Et les besoins des nouveau-nés sont énormes. Ils ont besoin de couveuses, incubateurs, d'une table de réanimation, d'une prise en charge vraiment qui doit être efficiente dans les 24 premières heures. Parce que près du maximum de décès se fait dans les 24 premières heures et on est limité.
C'est vrai qu'il y a la gratuité des soins, mais il y a des moments où il y a des interruptions. Et la pathologie qui prédomine chez ces nouveau-nés, c'est l'infection néonatale. Donc il faut pouvoir les prendre en charge, une double antibiothérapie, et ça fait défaut. L'ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire, son Excellence Issi Yanouka, vient de faire don de 2 moniteurs au service de néonatologie du CHU de Cocody. Ce matériel médical d'une valeur d'environ 7 millions de francs CFA va permettre de stabiliser la fréquence cardiaque et respiratoire de ces bébés nés prématurément pour la plupart. Docteur Eliane Ekra, représentant le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, a traduit la reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire aux donateurs. Depuis 2011, dans le cadre de la coopération ivoiro-israélienne, des médecins ivoiriens sont formés en Israël dans des centres spécialisés en pédiatrie et pour l'enfance. Gros plan sur l'hémophilie. Ceux qui souffrent de la maladie saignent plus longtemps. Leur sang ne coagule pas normalement. Hématomes et hémorragies internes, surtout dans les articulations, sont les principaux signes manifestés par les hémophiles. C'est une maladie du sang inconnue, très invalidante et bien présente en Côte d'Ivoire, nous dit Christelle Menin. Difficile de s'imaginer que cette maladie si peu connue ait une telle proportion en Côte d'Ivoire. L'hémophilie est une maladie sanguine qui n'atteint pratiquement que les hommes. C'est une maladie hémorragique héréditaire liée à un déficit en facteur de la coagulation. Lorsqu'on se blesse ou lorsqu'on saigne, alors le sang ne s'arrête pas du tout. Ça met du temps à s'arrêter. Une centaine de cas identifiés et actuellement traités au CHU de Yopougon. Mais en se basant sur les statistiques mondiales, on pourrait dénombrer 2000 cas en Côte d'Ivoire. La plupart, 70 à 80% de ces patients-là ont déjà un frère aîné qui est décédé de l'hémophilie après la circoncision. On fait la circoncision et le sang, le saignement ne s'arrête pas. Et l'enfant se vide de son sang. Et lorsqu'on n'est pas à côté d'un centre hospitalier ou bien on n'a pas à disposition du sang, très rapidement, le sujet meurt. Même schéma pour Yolande Gueye, dont le fils hémophile a heureusement été épargné après sa circoncision. Aujourd'hui à la tête de l'ONG des hémophiles de Côte d'Ivoire, Yolande se bat pour sensibiliser les populations et faciliter l'accès au traitement très coûteux de l'hémophilie. Le flacon de 500 unités coûte 150 000 francs, un seul flacon. Et nous avons au moins pour un malade, on a besoin de 3 à 4 flacons. Le traitement peut coûter au moins plus de 1 million de francs. Les hémophiles, lorsqu'ils n'ont pas de traitement, ils deviennent invalides. Et c'est un poids pour la société. Ils n'arrivent pas à travailler, ils sont assis à la maison et c'est un poids aussi pour la famille. Ils ne sont pas nombreux, les malades, nous ne sommes pas nombreux. Donc si nous pouvons déjà avoir accès à ces médicaments gratuitement, ça nous fera plaisir. Depuis 2008, l'ONG reçoit gratuitement des médicaments de la Fédération mondiale des hémophiles. Mais jusqu'à quand? Les médicaments sont indisponibles en Côte d'Ivoire. Une alternative au traitement existe. Des transfusions de sang ou de plasma protéiné, avec tous les risques que cela peut comporter. On ne guérit pas encore de l'hémophilie, la prise en charge se fait à vie. Et vous le savez, le jeune mannequin de 23 ans, Awa Fadiga, est décédé le 25 mars dernier au service des urgences du CHU de Cocody suite à une agression d'un conducteur de taxi. Depuis cette date, les populations ont peur d'emprunter les taxis. Et face à ces inquiétudes, la Direction générale de la police nationale annonce des mesures et appelle les populations à la vigilance dans ce reportage de Fatou Fofana. L'affaire a fait grand bruit. Le jeune mannequin Awa Fadiga a perdu la vie suite à une agression dans un taxi-compteur. Les populations vivent depuis dans la psychose. Aujourd'hui, l'on préfère même s'abstenir d'emprunter un taxi-compteur. Il y a vraiment la peur. À partir de 20 heures, on a peur de sortir. Même en pleine journée, c'est devenu maintenant psychologique. En pleine journée, on se méfie des taxis, que ce soit le Wawa comme le compteur. On se sent à l'aise que dans le bus, quand c'est bourré, au moins on sait qu'il ne peut pas avoir d'agression. Ce n'est pas normal que les chauffeurs prennent les passagers à aller les agresser. Il y a des chauffeurs qui sont victimes des agressions et il y a des chauffeurs eux-mêmes qui agressent. Ils sont souvent en complicité. J'étais allé faire une opération bancaire et il y avait le chauffeur, 2 autres passagers. Moi, je suis montée. Or, c'était un groupe de bandits. Face à cette situation préoccupante, la Direction générale de la police nationale annonce des mesures. 1. Toujours relever le numéro d'immatriculation et la marque du taxi. 2. Éviter de sauter dans le premier taxi à la sortie d'une banque ou d'une agence. 3.
toujours dévisager ou identifier le chauffeur et autres personnes que vous trouvez à bord du véhicule. 4. Informer le chauffeur qu'aucun arrêt ne doit se faire au cours du trajet sauf à destination. 5. Communiquer l'immatriculation du taxi à un proche ou même à la personne que vous allez visiter. 6. Avoir sur soi les contacts des personnes à prévenir en cas d'urgence. 7. Observer les faits et gestes du chauffeur pendant la conduite et en cas de difficulté, appeler les numéros suivants. 100 ou 111 pour le CCDO, 145 pour la brigade de sécurité ou 170 pour la police nationale. La fête de Pâques, c'est dans 3 jours. Le trafic routier s'annonce dense. À cette occasion, une campagne de sensibilisation à la sécurité, à la fluidité routière est initiée par le ministère des Transports. Objectif, prendre des dispositions pour éviter les accidents de la route. Cérémonie de lancement de cette campagne à Jesco, dans la commune de Yopougon, avec Grace Kando. Ce mini-car, communément appelé Gbaka, en partance dans la région du Lot du Bois, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, a fait l'objet d'un contrôle de routine au corridor de Jesco dans la commune de Yopougon. Tout comme ce mini-car, d'autres véhicules ont été soumis à cette opération. Il ressort, selon le ministre des Transports, Gaoussou Touré, que la plupart des véhicules ne répondent pas aux normes. Les contrôles nous ont permis de voir que la plupart des véhicules, notamment les véhicules Massa que nous avons vus, et qui ont été la cause de pas mal d'accidents sur l'autoroute, ne sont pas aux normes, notamment au niveau des pneumatiques. À l'occasion des fêtes de Pâques, une campagne de sensibilisation à la sécurité et à la fluidité routière est initiée. Responsables du secteur et chauffeurs prennent des dispositions pour éviter des accidents. Je demande aux transporteurs de faire changer les pneus et de bien faire réparer les véhicules pour éviter qu'il y ait plusieurs accidents sur l'autoroute. La vie de l'homme est très importante. Et pour ce faire, avant de donner un véhicule aux usagers, il faut vérifier l'état mécanique des véhicules, en particulier l'état des pneus et du système de freinage. Personnellement, je trouve qu'actuellement, nous, on roule avec de bons pneus. Donc, si on a de bons pneus, ça veut dire que la vie des passagers est toujours en sécurité. Le ministre Gaoussou Touré exhorte les forces de l'ordre à prendre toutes les dispositions afin que les véhicules qui ne répondent pas aux normes soient mis en fourrière. Et ce, pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Et lutter contre les vols à main armée, le racket et les coupeurs de route à la veille de la Pâques. Le ministre chargé de la Défense sensibilise les populations sur le phénomène dans le V-Baoulé. Il s'agit pour Paul Kofi Kofi de remobiliser les troupes en mettant en place une vaste opération de sécurisation. Abou Sanogo pour plus de détails. 16 localités visitées en 3 jours. Un véritable périple pour le ministre Paul Kofi Kofi. Mais l'enjeu en valait le déplacement. Le ministre en charge de la Défense est allé échanger avec la population sur les questions de sécurité d'une part et d'autre part, remobiliser les troupes à l'approche des fêtes de Pâques afin de lutter contre le phénomène des coupeurs de route, les attaques à main armée, le racket et les accidents de la circulation. À Toumodi, Dembokro, Mbayakro et Brobo, Paul Kofi Kofi a annoncé une opération de sécurisation de grande envergure. Une opération spéciale pour sécuriser la fête de Pâques, pour que tout le monde puisse voyager et tout le monde puisse fêter, n'est-ce pas, dans la quiétude, notamment les lieux de culte, les tronçons et aussi les lieux de festivité. Paul Kofi Kofi a aussi exhorté les populations à coopérer avec les forces de sécurité et de défense. Nous avons expliqué aux populations que la collaboration avec elles était nécessaire pour traquer ce phénomène de banditisme des temps modernes, parce que ces coupeurs de route sont parmi nous, sont parmi les populations. Nous avons demandé à nos hommes de créer la meilleure confiance possible avec la population en mettant fin aux rackets et pour permettre à cette population de livrer des informations nécessaires à lutter contre ce phénomène. Un message repris à Boaké, Botro, Béomi, Sakassou, Djebonois, Thiébissou, Yamoussoukro, Boaflé, Saint-Fra, Oumé et Tiassali. Les populations, quant à elles, souhaitent que le dispositif sécuritaire qui sera déployé à la faveur du Pâques soit maintenu après la fête. Nous coopérons. Chaque fois qu'il y a des soubresauts de ce type-là, nous nous organisons et nous mettons les moyens.
Nous sommes prêts à leur donner des renseignements, voilà, pour qu'effectivement il y ait la paix, la sérénité, voilà, à Boaké. Les populations ont bien perçu ce message-là et la collaboration va s'établir. C'est nous, populations, qui subissons ces sévices-là. Donc à chaque fois, nous portons l'information. Pour cette mission, le ministre chargé de la Défense avait à ses côtés les généraux Firmin Détoleto, chef d'état-major général adjoint chargé du soutien, et Vako Bamba, commandant second de la gendarmerie nationale. Enfin, du commissaire divisionnaire de police, Bruno Dibi, directeur général adjoint de la police nationale. Et cette image de la gendarmerie nationale qui rend un hommage ultime à ces quatre éléments morts accidentellement le 2 avril dernier, une cérémonie d'honneur funèbre militaire à la place d'armes du camp de gendarmerie d'Agban, c'était en présence du ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, de toute la hiérarchie militaire et des parents et amis des défunts. Les quatre gendarmes ont reçu chacun la médaille de chevalier de l'ordre du mérite ivoirien à titre posthume, puis les différentes dépouilles et le drapeau de l'État de Côte d'Ivoire ont été remis aux familles des disparus. Dans le domaine de l'agriculture, la filière cola connaît de nombreuses difficultés en Côte d'Ivoire. La Chambre nationale d'agriculture, qui coordonne la plupart des activités des associations des agriculteurs, veut venir en aide à cette filière. Elle a donc convié les acteurs de la filière cola à sa tribune dénommée le café de la Chambre d'agriculture. À cette rencontre, les problèmes de la filière ont été exposés et des solutions proposées, nous dit Serge Gongomain et Herman Niamien. Vendu entre 350 francs et 600 francs CFA Beauchamp et entre 900 francs et 1300 francs à l'exportation, la cola en Côte d'Ivoire est aussi rentable que le café et le cacao. Cependant, la filière est confrontée à de nombreux problèmes, entre autres l'absence d'une bonne organisation, du manque de semences dans certaines régions et de l'inexistence d'un test réglementaire. Il se trouve qu'on nous impose 35 tonnes, par exemple. Or, les camions peuvent aller jusqu'à 70 tonnes. Alors, ce n'est pas notre avantage. Notre problème, nous avons besoin, disons, des semences, disons, pour accroître, disons, la quantité, disons, de la production. Au niveau, disons, des autres cultures, on leur fait, disons, on leur donne gratuitement. Mais à notre niveau, en fait, on nous demande, disons, d'acheter, donc ça devient un peu plus compliqué. C'est pour aider les acteurs à trouver des solutions à leurs problèmes et surtout pour organiser le secteur que cette tribune intitulée « Le café de la Chambre d'agriculture » a été initiée. Au niveau de la filière cola, les problèmes se situent surtout au niveau de l'organisation. Alors par rapport à ça, nous avons souhaité qu'il y ait quatre commissions qui vont prendre en compte dans un premier temps l'organisation de la filière en matière de production, dans un deuxième temps l'organisation de la commercialisation, ensuite l'organisation de la filière en matière de fiscalité parce qu'il faut que l'État puisse avoir un droit de regard et prélever aussi quelque chose sur cette filière-là. Un décret va fixer les règles de fonctionnement de cette filière. Et donc, plus personne ne pourra opérer comme il veut dans la filière cola. Nous, au niveau du ministère de l'Agriculture, non seulement nous connaissons l'importance de la filière cola, nous savons qu'elle est rentable. Avec plus de 151 000 tonnes par an, la Côte d'Ivoire est le premier pays exportateur de cola au monde. Et dans le domaine de l'agriculture, de l'éducation, vous le savez, les jeunes filles qui tombent enceintes à l'école aujourd'hui en Côte d'Ivoire sont nombreuses. Plus de 5000 cas enregistrés l'année dernière. La jeune chambre internationale Benjerville tire la sonnette d'alarme sur ce phénomène. Elle veut aider les élèves de la commune à éviter les grossesses en milieu scolaire et les comportements à risque. Le point de sa conférence avec Emma Niamien. 5076 cas de grossesse enregistrés au titre de l'année 2012-2013 en milieu scolaire en Côte d'Ivoire. Un chiffre alarmant selon les responsables de la Jeune Chambre internationale de Benjerville. Ils entendent donc mener des actions en vue de freiner ce fléau. Cette conférence publique avec pour thème « Comportement sexuel en milieu scolaire » vise donc à sensibiliser les élèves de la localité sur l'ampleur du phénomène. Vu les chiffres alarmants que nous avons enregistrés pour l'année 2013, nous avons jugé important. En tant qu'organisation à impact communautaire, nous devons aussi apporter notre contribution. C'est en cela que nous avons décidé d'organiser une conférence sur le thème des comportements sexuels en milieu scolaire, afin que les élèves et étudiants de la ville de Benjerville puissent avoir les différents outils et les différentes informations afin qu'ils puissent faire les meilleurs choix pour leur vie.
Selon le conférencier, les élèves doivent opter pour l'abstinence durant leur cursus scolaire. Ce choix, selon lui, leur permettra d'éviter les grossesses indésirées et aussi leur offrira de bons résultats scolaires. L'initiative de la Jeune Chambre internationale de Benjeville est saluée par le ministère de l'Éducation nationale et celui de la solidarité de la famille, de la femme et de l'enfant. Pour eux, ces campagnes de sensibilisation doivent être soutenues afin de réduire les cas de grossesse en milieu scolaire. Nous disons que l'école est un endroit où l'on va pour apprendre. C'est un endroit où on doit éduquer les enfants. Et non, un endroit pour que les enfants soient en grossesse aussi à bas âge, comme les enfants de l'école primaire. À cet âge-là, c'est l'âge de la curiosité, l'âge où on veut tout expérimenter. Et c'est vrai que même si tout est faisable, mais tout n'est pas utile. Les élèves ont bien compris la leçon. Ils s'engagent à transmettre les acquis de cette formation à leurs camarades. Et les examens de fin d'année, c'est pour bientôt, mais avant, place à la formation de tous les acteurs des examens à grand tirage. Formation qui a porté sur les réformes concernant le BEPC et le baccalauréat. On fait le point avec Honorine Ingori. Cette formation, dirigée par le chef de service à l'examen du BEPC, brevet d'études du premier cycle, avec à ses côtés la directrice départementale de Diassalé, Agathe Mbesso, a porté sur les opérations à mener avant, pendant et après les examens, mais aussi sur les réformes au BEPC et au baccalauréat. Cette formation s'explique par le fait qu'au BEPC, par exemple, les élèves composent dans toutes les disciplines, contrairement aux années précédentes. Mieux, au BEPC et au bac, les compositions se déroulent uniquement le matin, dont deux matières le matin pour le BEPC. Le compostage ou anonymat ont lieu les après-midi. L'autre aspect de la réforme porte sur l'institution d'un centre de collecte et de contrôle et d'une cellule de correction et de délibération. Ces deux structures sont les chevilles ouvrières qui gèrent au quotidien les examens. Cette année, il y a la création des gigacentres de correction qui regroupent en réalité les correcteurs de plusieurs centres de correction en un seul. Les feuilles de composition des candidats changent également. C'est pourquoi Kouman Kouakou, le formateur et la directrice départementale ont tous recommandé aux acteurs qui interviennent dans la chaîne des examens de s'approprier cette réforme et de mettre tout en œuvre pour la réussite d'un examen de qualité. Cet atelier de formation a été ponctué d'échanges fructueux entre le formateur et les acteurs du système, ce qui a démontré tout l'intérêt des acteurs dans la mise en œuvre de ces réformes. La communauté des élèves et étudiants musulmans de Divo a organisé une journée de sensibilisation des élèves à la culture de l'excellence et surtout à la cohésion sociale en milieu scolaire. Cette activité a été marquée par une conférence publique et la distinction des meilleurs élèves de la région du Lot-du-Bois, Mamadou Kouassi, pour plus de détails. Une journée de l'excellence et de sensibilisation à la culture de la paix en milieu scolaire. L'initiative est de la section d'Ivo de la CMUSI, communauté des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire. Une journée placée sous le parrainage du président du conseil régional du Lot-du-Bois, le docteur Zapa Kobenor Roland. C'est le foyer des lycées modernes 1 et 2 de Divo qui a servi de cadre à cette activité. Une conférence a été prononcée par le docteur Famoussa Koulibaly, chef de cabinet au ministère d'État, ministère du Plan et du Développement, par ailleurs vice-président du conseil régional et ancien élève du lycée moderne de Divo. Au cours de cette rencontre, le conférencier a entretenu l'auditoire sur le thème « Paix et excellence en milieu scolaire, source de cohésion sociale ». Docteur Famoussa Koulibaly a invité les élèves au travail afin d'assurer leur réussite sociale. Après la conférence, les meilleurs élèves de tous les établissements publics de la ville de Divo, au nombre de 26, de la 6e à la terminale, ont été récompensés. Ils ont pris l'engagement de maintenir le cap afin de contribuer dans le futur au développement de la région du Lot-du-Bois. Doter les établissements scolaires de clubs de l'intégration africaine, faire des élèves des ambassadeurs de cette intégration, c'est l'objectif que veut atteindre le Bureau ivoirien pour la promotion de l'intégration africaine. Ce bureau a apporté son soutien au club de l'intégration africaine des Drainettes de Boaké, Kader Sogodogo. L'intégration apparaît aujourd'hui comme l'une des réponses appropriées et efficientes aux questions de développement partout dans le monde. L'école,
lieu de rencontre de brassage, est le cadre le mieux indiqué pour inculquer aux élites de demain cette notion capitale. Ainsi, le Bureau ivoirien pour la promotion de l'intégration africaine, BPIA, noue un partenariat stratégique avec le monde de l'éducation. Des clubs de l'intégration africaine sont installés dans les établissements de nos régions. Une journée des clubs de l'intégration africaine est initiée pour booster cette action. Abouaké, conférences, richesses culturelles sous-régionales, allocutions et présentations des clubs de l'intégration ont meublé la journée. Pour le premier responsable du BPIA, le succès de l'intégration africaine depuis l'école est une initiative qui promet. L'intégration est enseignée dans des disciplines comme l'histoire, comme la géographie. Ce qui manquait et ce que nous sommes en train de faire, c'est de transformer ce savoir de l'intégration en savoir être de l'intégration et en savoir vivre de l'intégration. Donc, les clubs de l'intégration visent justement à amener les élèves à inscrire dans leur quotidien l'intégration comme un concept opératoire. Les élèves s'associent pleinement à cette action. Déjà au lycée Jeune Fille, nous avons fait des collectes de dons pour nos frères centrafricains. Je compte mobiliser mes camarades à s'intégrer là-dedans. Si je prends l'exemple, c'est un Malien. Il doit avoir des problèmes. Il doit se sentir en Côte d'Ivoire comme chez lui. Du Mali à la Côte d'Ivoire, ça doit être comme s'il n'avait fait que changer de chambre. Après Bouaké, d'autres régions seront visitées par le BPIA avec la même volonté, l'intégration africaine par l'école. Cette rencontre ici à Abidjan du réseau de l'Afrique de l'Ouest et des organisations de la société civile représentant les quatre pays que compose le fleuve Mano, thème de la rencontre, développer la coopération sous-régionale en faveur des enfants en situation de mobilité. Sidonie Davila à Boussanogo. L'Union du fleuve Mano, l'une des organisations sous-régionales africaines les plus engagées dans la protection de l'enfance, veut toujours faire mieux. Les représentants des pays membres et autorités de la protection des enfants mènent en ce moment une action synergique pour accompagner les acteurs au cours d'un atelier. Cette démarche pour mettre en œuvre une politique de protection des enfants et développer la coopération sous-régionale en faveur des enfants en situation de mobilité, thème de cet atelier. Pour la zone géographique Libéria, Sierra Leone, Guinée et puis Côte d'Ivoire, les statistiques que nous détenons montrent qu'il y a énormément d'enfants qui bougent entre ces différents pays. Mais malheureusement, ces migrations d'enfants-là et ou de jeunes n'est pas protégée, n'est pas sécurisée, ce qui fait que ces enfants sont souvent vulnérables et à la merci de personnes non mal intentionnées ou à la merci tout simplement de ne pas avoir à réaliser l'objectif pour lequel ils bougeaient. Parce que quelquefois ces objectifs sont louables. Ce sont des initiatives qu'on peut soutenir et les accompagner, mais il faut les sécuriser. Du 15 au 17 avril, les participants devront plancher sur quatre aspects, à savoir la mise en œuvre du mécanisme sous-régional, la mobilisation des ressources, le suivi, évaluation et la mise en place du système de gouvernance de la politique de protection de l'enfance. L'occasion en Côte d'Ivoire est de pouvoir signer officiellement cette déclaration, mais par l'intermédiaire des directeurs et directrices de protection de l'enfant et la société civile. Antérieurement à cette assemblée, des rencontres ont eu lieu à Freetown, Monrovia et à Ouagadougou en 2013. Elles ont abouti à l'élaboration des stratégies pouvant renforcer les systèmes de protection des enfants vulnérables. La RTI célèbre ses secrétaires, une conférence débat pour marquer l'événement, thème choisi, patron, secrétaire, partage de responsabilités et stratégie d'optimisation du rendement, nous dit Christelle Menant. Elles sont la porte d'entrée de l'entreprise. Les secrétaires, ces ouvrières de l'antichambre, sont aussi les garantes de l'efficacité d'une entreprise. Le 14 avril de chaque année leur est dédié. À la RTI, elles sont une quarantaine à accompagner patrons et patronnes dans leurs tâches quotidiennes. Ce 16 avril, elles ont été honorées par les différentes directions du groupe. Au programme de cette journée de célébration de la secrétaire, une conférence débat sur le thème « Patron-secrétaire, partage des responsabilités et stratégies d'optimisation du rendement ». Prononcée par Sylvie Cocoa, la conférencière s'est adressée à des secrétaires conscientes des enjeux de leur rôle, surtout dans un média de service public. Les secrétaires sont les piliers de l'entreprise, les supports du patron. Nous complétons. Je suis dans une maison de médias. Nous rencontrons beaucoup de personnalités, des hommes influents du pays. L'accueil prime. Sans secrétaire, l'entreprise ne peut pas aller de l'avant.
tout un chacun qui vient dans la maison s'adresse d'abord à la secrétaire. Recevoir, traiter au quotidien tout ce que nous recevons, tout ce qui est en rapport avec l'activité principale de la RTI. C'est passionnant ce que nous faisons. On souhaiterait avoir peut-être autre chose à faire, c'est-à-dire pas demeurer secrétaire, on souhaiterait évoluer. Nafissa Toudem, Marie-Victoire Trabi, Léonie Assar, Daniel Bailly, des noms que vous n'avez pas coutume d'entendre sur nos ondes, ils sont pourtant portés par des dames qui participent chaque jour à la bonne marche de la radiodiffusion télévision ivoirienne. Hors de nos frontières, les Algériens votent depuis ce matin pour élire leur président. 6 candidats sont en lice, dont le président Bouteflika qui brigue un 4e mandat à 77 ans. Un président malade et très fatigué qui n'a pas pu mener lui-même sa campagne. Le sortant Abdelaziz Bouteflika a voté en fauteuil roulant, apparaissant comme le favori. Les résultats doivent être proclamés officiellement vendredi. Et c'est la fin de ces 13 heures. Merci de votre fidélité.